qui s'impose depuis des années dans le domaine médical africain. Vous avez certainement entendu parler de ceux qui se rendent justement à Tunis pour subir, par exemple, des chirurgies esthétiques. Le pays mise donc sur la coopération interafricaine pour plus d'opportunités. C'est un reportage signé Najwa Bécha. Regardez. Accompagnée de sa sœur, Alice, cette jeune de 30 ans a choisi d'être opérée en Tunisie. Dans quelques heures, elle va subir une intervention chirurgicale. Alice nous raconte son expérience médicale en Tunisie. Je suis venue très tranquille. Depuis que je suis venue hier, ma sœur et moi, on est très tranquille. Tout bien ici à la clinique aussi, très 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 bien. On est très contente. Alice, une parmi plus d'un million de patients qui viennent chaque année à la recherche de soins de qualité. D'ailleurs, cette clinique qui se situe en plein centre-ville accueille près de 1600 patients sénégalais chaque année. Vous savez, la Tunisie a une expertise avérée dans ce domaine-là. Et qu'il y a 2 mois de cela, il y avait une délégation sénégalaise qui était venue en Tunisie pour s'inspirer de l'expérience en matière de transplantation rénale. C'est vous dire combien la coopération dans ce domaine-là est très avancée. L'avenir de la Tunisie s'inscrit parfaitement dans le développement des relations avec l'Afrique. Nous avons toujours regardé vers le nord et nous avons oublié que nous sommes dans un pays africain où il y a énormément d'opportunités de travailler avec nos frères et amis africains. Et nous avons entamé depuis quelques années déjà ici, dans notre groupe, un travail de prospection et de coopération déjà humanitaire. Nous avons organisé plusieurs missions aussi bien au Sénégal qu'en Mauritanie, qu'au Mali. Les cliniques et les hôpitaux tunisiens accueillent de plus en plus de patients étrangers. À l'échelle continentale, selon le ministère de la Santé tunisien, le pays occupe désormais le 2e rang en matière de tourisme médical derrière l'Afrique du Sud.